marchés prioritaires pour l'appellation Givry sont assez internationaux. Alors, prioritairement l'Europe, la France, la Belgique, l'Angleterre. Alors, beaucoup en restauration, c'est des vins qui plaisent énormément en restauration. Il y a également les compagnies aériennes, parce que le style du vin correspond bien à ce que, en altitude, on va apprécier, c'est-à-dire des vins qui ne sont pas trop durs, pas trop. Il faut savoir qu'en altitude, le côté un petit peu tannique va être exacerbé. Donc Givry correspond bien en prix et en goût à ce qu'on va pouvoir apprécier en avion. Et puis il y a des marchés comme le Mexique, la Finlande, la Corée et la Nouvelle-Zélande. Voilà, ce sera nos marchés principaux pour cette appellation. La perception de l'appellation a évolué et en bien. Parce que on va dire qu'autrefois, c'était peut-être des vins considérés à juste titre dans le domaine des vins un petit peu rustiques. Et le travail des vignerons, le travail du sol, le travail de la sélection des plants aussi, fait que c'est une appellation qui est devenue, on va dire, dans le domaine des vins élégants. Moi, j'en fais une petite comparaison avec le village de Volnay. Ça n'en a peut-être pas la complexité, mais ça en a la douceur, l'élégance et la rondeur. Et c'est donc un vin qui, en rapport qualité-prix, est excellent. Ça reste dans une catégorie de Bourgogne très abordable et on en aura beaucoup de plaisir. Les meilleurs arguments de vente sont certainement sa qualité et son prix. Indéniablement, c'est un vin qui va donner beaucoup de plaisir pour un prix qui reste très modeste. Quand on parle de la Bourgogne, c'est vrai qu'on a un petit peu cette idée de vin très cher. Givry ne fait pas partie de ces vins qui sont inabordables. On en trouve, c'est une appellation qui est quand même assez importante, et ils sont très raisonnables en prix et d'une qualité qui fait qu'on en a effectivement beaucoup de plaisir. Si l'appellation est un personnage célèbre, alors je pense que ça aurait démarré avec un personnage comme Gérard Depardieu. Pour sa truculence, son embonpoint qui était peut-être un peu le reflet de ce côté un peu tannique qu'avait le vin autrefois. Aujourd'hui, je dirais que l'appellation Givry, c'est plutôt un danseur étoile qui allie donc la puissance, mais également la grâce, l'élégance. Voilà, Nourieff en son temps ou Patrick Dupont, danseur étoile français. Voilà, donc on est passé de sans perdre le côté un petit peu généreux, bonhomie et sympathique. Voilà, on est parti vers une appellation qui s'exprime avec beaucoup d'élégance et de grâce maintenant. Mes recommandations en accord mets vins seraient assez classiques dans le registre des volailles, par exemple la poularde de Bresse, la poule au pot. Évidemment, tout ce qui est charcuterie, ça c'est un accord très sympathique. Pendant l'été, c'est souvent le vin qu'on ne doit pas servir trop chaud d'ailleurs, il peut être un petit peu frais. Je l'aime beaucoup aussi avec des fromages à pâte molle, Brie de Meaux, reblochon. Il ne faut pas oublier que les accords vin-fromage, vin rouge et fromage sont délicieuses. Il y a du Givry blanc, mais sur ces accords-là, moi j'aime beaucoup penser aussi au fromage. Le comté, évidemment. Alors, une anecdote sur l'appellation Givry que je n'ai pas vécue moi, mais dont j'ai entendu parler et que j'ai lu, c'était un des vins très prisés à la cour pontificale quand ils étaient à Avignon. Donc, en Avignon, on expédiait les vins de Givry apparemment en quantité assez conséquente.